Ok, on est ici pour voir ensemble le dialogue, la prononciation du dialogue du chapitre 3, Orders are Orders. Dans cette partie du chapitre, nous sommes avec le serveur qui va passer une commande en cuisine. Donc il y a le waiter et le chef. Vous allez d'abord commencer par écouter la prononciation et ensuite, vous ferez des pauses, vous reviendrez en arrière pour écouter correctement votre la prononciation et prendre des notes sur votre feuille avec ce que vous avez entendu et non pas ce que vous avez vu. Pensez bien, entendez avec vos oreilles françaises et écrivez ce que vous avez entendu en version SMS. Et comme ça, quand vous allez vous entraîner à l'oral, eh bien, vous aurez écrit des sons que vous reconnaîtrez et vous pourrez les prononcer à l'anglaise. Ok, here you are. Last orders coming in. All right. What is it? There'll be three avocado salads, three and two mixed salads. Three avocado salads and two mixed salads. I mustn't get it mixed up. I also want two grilled beef fillets, two stewed beef with carrots, and one mussels in white wine. Beef fillets, some beef, mussels. We haven't got any beef left. I'll ask them what they want instead. And what about the vegetables? They ordered boiled potatoes with the bread fillets and green beans with the mussels. All right. And you will have to be quick, folks. These customers are in a hurry. Most people are. You can take the salads in straight away. A few minutes later. This is a grilled fillet, and here's another one. Any sauce on the green beans? No, no sauce. But more green beans, please. Here you are. Away! Voilà, donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre la prononciation et vous allez faire vos propres mots, réécrire avec vos propres sons pour vous entraîner à la prononciation.